Aujourd'hui dans le petit cul, les BTS aux Nations Unies. We're here today for the UN Generation Unlimited, representing and speaking on behalf of young people. On vous les a déjà présentés, les BTS est un groupe de K-pop. Ils ont vendu plus de 7 millions d'albums, ils ont 16 millions de followers sur Twitter. Et fin août, ils ont battu le record du clip le plus vu sur YouTube en 24 heures avec cette chanson. 56 millions de vues en 24 heures, vous l'aurez compris, les BTS est un des groupes de K-pop les plus populaires au monde, avec une énorme communauté de fans, surnommée la BTS Army. Army, we love you! Et hier, c'est la consécration, les BTS ont été invités à l'ONU dans le cadre de leur campagne avec l'UNICEF Love Myself. Badge autour du cou et costume identique, ils se sont prêtés au jeu des photos avant d'arriver devant l'assemblée sous les applaudissements. C'est le leader du groupe, RM, qui va parler seul en anglais, un discours de 7 minutes. We've been partnering with UNICEF's End Violence Program to protect children and young people all over the world from violence. C'est la première fois qu'un groupe de K-pop est invité aux Nations Unies, et pour un groupe de K-pop, ils vont faire un discours plutôt étonnant. I used to look up at the night sky wonder, and I used to dream the dreams of a boy. I used to imagine that I was a superhero who could save the world. Alors on pourrait penser que ce discours sent un peu la guimauve, mais quand on écoute le reste, le groupe de K-pop va aborder tous les thèmes incontournables du discours engagé, avec d'abord la pression sociale. I stopped daydreaming. Instead, I just tried to jam myself into the malls that other people made. Puis il va avouer ne pas être parfait. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Et fini en poussant les jeunes à ne pas rentrer dans des cases et à s'accepter tels qu'ils sont. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. Find your voice by speaking yourself. Just speak yourself. Speak yourself. Un discours qui ne colle pas vraiment avec l'image du monde de la K-pop, réputée pour être une industrie impitoyable qui formate ses artistes pour en faire des produits marketing, avec de nombreux suicides parmi les chanteurs. No matter who you are, where you from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Au même moment, les fans du groupe, eux, étaient scotchés devant leurs écrans pour ne pas rater ce moment historique. Ils se sont même filmés en train de regarder le discours. I can't believe they're here! I can't believe they're speaking at the UN! Des fans hypnotisés en mode prière pour envoyer des bonnes ondes, banderoles à la main, doudou contre soi, ou même en pleine séance de nettoyage de peau. Yes! À chaque mot prononcé, les fans sont en transe. Oh my god, I'm dead. Oh wow. The gender identity. Oh wow. Holy shit, man. Oh! Et face à ce discours engagé plein de lyrisme, la pression est trop forte et les nerfs lâchent. Ah, oh, here I'm going again. I'm crying. I've already seen this, but it still makes me cry. À la fin, les fans sont sans surprise conquis et applaudissent à s'en faire saigner les mains. Best speech I've ever heard in my life. Oh bah oui, allez, aimez-vous comme vous êtes, le petit cul, c'est fini.